Je suis très ravi d'être invité par Chinese Business Club et je suis un ami de M. Harold Arisu depuis quelques années. Moi, j'ai déjà participé à beaucoup de déjeuners qui sont organisés par Chinese Business Club. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Donc aujourd'hui, je suis très ravi d'être invité à l'honneur. Ça présente quoi? Ça présente déjà Huawei, c'est une société très internationale qui attire quand même beaucoup d'attention. Pour moi, j'ai l'honneur aussi de répondre à toutes les questions pendant le déjeuner parce que il y a quand même beaucoup de sujets aujourd'hui qui parlent de nous dans les médias. Et pour moi, c'est une très grande chance, une très grande opportunité pour expliquer et mettre des choses en clair. Et le deuxième, comme vous savez, Huawei aujourd'hui est entré dans beaucoup de nouveaux domaines, par exemple la voiture de smart intelligent. Par exemple, aussi dans l'harmonie. Ouais. Donc, tout cela, je pense que c'est aussi une très bonne opportunité pour expliquer notre stratégie de la société. Trois mots pour conclure le Chinese Business Club. Premier, c'est l'amitié. Donc, tous les gens qui viennent pour Chinese Business Club, c'est des amis donc, qui sont intéressés soit par le marché chinois, soit par le business. Donc, c'est très, très bien. Le deuxième, c'est dynamique. On voyait beaucoup de jeunes, on voyait beaucoup d'entrepreneurs dynamiques qui sont très intéressés de développer ou de collaborer avec les Chinois. Et les Chinois sont aussi très, très dynamiques, travaillent avec les Français. Et le troisième mot, je pense, c'est très transparent. Ouais. Donc, les questions que vous voyez, on n'a jamais préparé la question à l'anticipation. Donc, c'est les questions que les gens écoutaient et aussi les gens ont vu dans la vie quotidienne. Donc, ils posent la question. Moi, je ne suis pas prêt de répondre à toutes les questions, mais j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Donc, c'est très transparent. Merci.